Bonjour à tous, William Grosprivière à Plaisance, Eurovoile HD Marine. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour vous faire visiter un bateau d'exception, un Frocher 10-17 GTR de 2021. C'est un bateau extrêmement puissant puisqu'il est motorisé en 2x350 chevaux au Mercruiser. Il peut atteindre des vitesses de navigation allant jusqu'à 50 nœuds, mais il est également sportif, élégant, raffiné, dans un état irréprochable, ce qui en fait une opportunité à ne pas manquer. Je vous fais la visite tout de suite. Voilà, je commence par vous faire découvrir la ligne du bateau, très sportive, très élégante. On a ce grand bimini ici. À l'arrière, deux superbes bains de soleil, une très belle plateforme. Tout le bateau est en tech, avec les joints gris, pour un look très sportif, mais également très confortable. L'accès sur le bateau est extrêmement simple. Voilà, donc c'est deux grands bains de soleil arrière avec les assises ici. On a beaucoup de stockage sur ce bateau, à commencer par ce coffre. Voilà, à savoir qu'on a deux réfrigérateurs qui se situent sous les sièges du cockpit arrière. Deux beau siège bolster, complètement ajustable bien sûr. Et on va passer au poste de pilotage. Donc vous apercevez les commandes Mercruiser, des deux moteurs 350 chevaux. Je vous le rappelle, 88 heures de navigation seulement. Le contrôle fusion de la musique dans tout le bateau, puisque on a la chance d'avoir des haut-parleurs dans le cockpit arrière, mais également à l'avant. Écran de contrôle Raymarine, donc GPS, sondeur, traceur, voilà, complet. Notre instrumentation ici, et puis donc tous nos instruments à noter, donc très important, le propulseur d'étrave. On a plusieurs pompes de cale, hein, il y en a quatre au total, guindeau électrique, les lumières de cockpit, le blower et les lumières de navigation entre autres. Voilà, un poste de pilotage tout équipé, très accessible. On a la boîte à gants ici bien sûr, sur tribord. Un bateau convivial, donc du rangement pour les verres. Et sur bâbord, l'accès à nos coupes batteries et au tableau électrique. On circule extrêmement bien autour de la console centrale. On a ici un WC électrique avec un évier, donc une salle d'eau que je vais vous montrer tout de suite. Et à l'avant, regardez, ces magnifiques tables en teck qui sont donc sur pied, sur vérin, qu'on va pouvoir venir baisser et ajouter deux coussins pour réaliser un superbe bain de soleil, deux superbes bains de soleil à l'avant. Les coussins se situent juste ici, puisqu'on a un rangement qui est... très profond, comme vous pouvez le constater. À l'avant du bateau, deux grandes zones de stockage, juste avant la baille à mouillage, très profondes, dans lesquelles vous allez pouvoir ranger vos amarres, un feu de mouillage, la gaffe, mais également la toile d'ombrage avant, et toutes les housses de protection, donc qui viennent protéger vos coussins, les tables en teck, les sièges bolster, mais également le bain de soleil arrière, bien sûr. Donc ce bateau, vous l'aurez compris, il est tout équipé. Il a été minutieusement entretenu, il est dans un état absolument irréprochable. Il sort de révision et il vient d'être caréné. Alors n'hésitez pas à me contacter sur nos sites, Riviera Plaisance, Eurovoile, HD Marine, et venez visiter le bateau, faites-nous la demande. On pourra également vous faire une visite en live vidéo, afin que vous puissiez profiter de ce bateau à des vitesses impressionnantes ou dans un mouillage confortable, dans un lieu paradisiaque. Merci et à très vite.